Et bonjour à toutes et à tous, et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur Project Zomboid avec Maud. Je viens de quitter le moule, je suis juste remonté un tout petit peu pour pouvoir essayer de trouver une maison plus proche que l'autre. Parce que je trouve que je perds beaucoup de temps. Alors là, on est dans les maisons qui sont juste au-dessus du moule. Une maison à deux étages. Tout ce qu'il nous faut. Il n'y a pas beaucoup de zombies. On va se dépêcher de nettoyer tout ça. Et on va y passer la nuit. Pour pouvoir repartir au mall. Et lui, il veut bien mourir. Voilà. En plus, la fatigue se fait sentir. J'ai trouvé une remorque. J'ai d'ailleurs même pas regardé. J'ai même pas regardé si elle était verrouillée, celle-là. Non, ça va. Nickel. Bon, bah voilà. On a notre remorque. Parfait. Elle était juste au-dessus de celle qui était verrouillée. Donc j'ai pas eu à chercher bien loin. Toujours à la recherche de bêta bloquants. Et j'espère pouvoir dormir ici. Très cool. Je t'avais pas entendu toi. Il y en a encore un. Pas trop tôt. Allez, la verdure qui commence à s'installer ici aussi. Vite. Pas casser de carreaux. J'aimerais bien ne pas casser de carreaux. C'est pas possible. Je vais pas avoir le choix. Je veux dormir dans cette maison. On va attirer le groupe d'en bas là. Bon bah je ne dormirai pas dans cette maison. Allez hop, fuyons. Allons un petit peu plus loin. On a du café, on peut tenir. Hop là, c'est pas grave. C'est pas grave. Le destin ne veut pas de moi ici. Oh, il y a encore un MV ici, un blanc. On va faire demi-tour et puis on va aller un petit peu plus loin. C'est pas gênant. Ah, ça va attirer tellement de zombies. Là, j'y vais totalement. Aïe, totalement à l'aveugle. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Il est 20h et le café n'a rien fait. Faudrait trouver une maison pour pouvoir dormir. Faudrait pouvoir trouver une maison. Eux aussi, ils viennent là pour l'alarme. Non. Ne me dites pas ça. Un chemin, c'est bon signe. Il y a une petite maison ici. Il y a un chemin avec une boîte aux lettres. Il va vraiment falloir que je fasse un peu plus attention avec l'autre. Ouais, non, mais là, je m'enfonce où, là? Si c'est bon, il y a une maison. Une maison plein pied. Je suis pas très fan. Il y a un zombie. Deux. Là, ouais, mais alors pas du tout, il y a trop de zombies. Il y a trop de zombies ici. Je n'ai pas envie. Je n'ai pas confiance. Bonjour messieurs les cunus, comment allez-vous? Moi ça va super, merci de le demander.
Place vide. Il va falloir qu'on se refasse un café, on n'a pas le choix. Allez, poussez-vous, je passe. Poussez-moi, je vous passe. Hein? On va continuer par là. Et croiser les doigts. Oh mais non, je regardais pas, j'ai cassé mon phare. Super. Parking. Allez, il n'y a pas l'air d'y avoir tant de monde que ça ici. Avec un petit café. Un food market, on va dormir sur une chaise. Sympa. Ça fait longtemps que j'avais pas vécu ça. Allez, faut pas qu'il y ait d'alarme là-dedans. Je ne veux pas casser de carreaux. Il y a un zombie derrière aussi. Ça va être horrible là. Je vais devoir dormir dans le zombie. Laisse-moi tranquille. Là, il y en a un qui tape. Où est-il? Oh là 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 là, mais c'est pas possible. Bon, ça veut pas. Pour dormir sur une malheureuse chaise. Vraiment, je mérite tout ça pour une chaise? Allez, tu en as une autre. La nuit très très noire, honnêtement. Sinon on va dormir dans le MV, hein, collé au bâtiment. La solution ancestrale. Les braque tout encore, ça passe. Là, on est bien. Hop, on attend de voir un petit peu si c'est toujours calme. Par contre, niveau haut... Ouais, c'est bon, j'ai largement ce qu'il faut. Hop, et puis là, tu peux faire verser dans la tasse blanche, verser dans l'autre tasse blanche. Et vide, parfait. Hop, et là, on peut faire du café. Et là aussi, du café. Parfait. Parce qu'il va nous en falloir demain. Là, ça m'a l'air tout calme. On va en profiter. Et on croise les doigts. Allez, s'il te plaît. Tu as faim. Ok, très bien. Tu vas manger. Tu vas beaucoup manger. Tu restes en vie. Pour moi. Et elle. Parfait, je t'adore ma petite mode. Maintenant qu'il fait jour, hop. On veut juste essayer de remplir. Là-dedans. Il n'y a rien. Il n'y a pas un évier. Ici, pas un. Tout ce qui est gras, on prend. Hein. On a besoin. On a besoin de ce gras. Pour survivre. Notre survie dépend du gras. Le gras, c'est bon. Beurre de cacahuète. Confiture. Ici, j'ai vu céréales café.
Sachet de thé aussi. Le sachet de thé est beaucoup mieux que le café. Enfin, c'est l'impression que j'ai, honnêtement. À chaque fois, j'ai cette impression-là. On va le prendre, le thé. Et du café. On va pas se priver. Café. Thé aussi. Céréales. On va être refait. C'est très bien, ça. Là, il y avait du monde. Ils ont cassé la porte cette nuit. Boire remplit tout. Hop, fouille là-dedans vite fait aussi. Des planches, on va les prendre pour des spires. Est-ce que tu peux les faire maintenant? Les lances, là. En faire 6, vas-y. Fais-toi plaisir. Hop, tourne-toi. Voilà. Elle se tourne à chaque fois pour prendre une planche, c'est trop bien fait. Le petit détail qui tue. Le couteau a cassé. C'est pas grave, on en a plein. Le couteau, c'est prévu. En plus, c'est un couteau de cuisine qu'elle m'a cassé. Donc, tu es adorable. Il m'a pas cassé un couteau de chasse. Là, on a tout ça comme planche. On va les prendre aussi. On va les poser dans la remorque. 7h20. Après, on y va. Là-dedans, il y a quoi? Conserve. On s'en fiche. Vite! On a un moule à nettoyer, nous. Pour du bêta bloquant. Ma remorque, elle est où? Ouh, j'ai eu peur. Là, tout expire, vas-y. Foulez ici. Il n'y a personne derrière. Tu en as d'autres dans le sac. Ça fait 9 spires plus 6, ça fera 15. C'est bien, plus celle qu'on a en main. Impeccable. Est-ce que là-dedans tu peux me faire les lances? Ouais. Taux de chasse cassé. On en a un autre encore, je crois. Voilà, tu m'en mets 4 dans ton sac. Tu m'en accroches une dans le dos. Impeccable. Et puis là, tu vas me manger parce que je crois que tu perds encore du poids. Ouais, c'est ça. 73, on a le très maigre. Et bah... j'ai vu de la confiture. Pardon, que tu as toi, c'est une lance. Une lance avec couteau de chasse. Vous voyez, au katana, j'y ai cru. Et tu vas manger aussi. On avait du beurre de cacahuète qui est juste ici. Allez, on se dépêche de retourner au mall. Avec cette alarme là. Ça va être horrible, les zombies sur la route. Regardez-moi ça. Il n'y avait pas tout ça. Eux, ils dormaient debout. Alors là, c'était tout droit, je crois. Maintenant, faut que je retrouve mon chemin. Ça, c'est pas garanti, ça. Bah, j'ai bien fait de pas rester. On va tourner aux vitamines, au café et au thé aujourd'hui. Nous n'avons pas le choix. Attends, passe ici, voilà. Et tu vas fumer une clope. Une clopinette. Nous arrivons au mall, ça y est. Hop là, le petit dérapage contrôlé. Voilà, le mall est ici. Juste là, là.
Ah, ça a un peu libéré tout ça. Il y a du zombie à l'intérieur. Là, c'est sûr et certain. Et il y a du Z. Et nous, on va rester ici. Voilà. Allez, je suis revenu, mes loulous. Je suis là pour vous éradiquer. Attends, j'arrive pas à prendre ma lance. Voilà. J'arrivais pas à prendre ma lance. Tu veux bien patienter un peu? Faut qu'on se chope le point en course aussi qu'on a toujours pas fait. M'a fait peur. Bah, deux fois de suite, hein. Qu'est-ce que tu fais, là? Allez, on fout ça par terre. Oh là 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 là. Vite. Je ne les avais pas vus. Le son bug tellement il y a de zombies, c'est incroyable. Pourquoi ça fait ça? Ça le fait qu'à moi ça? Est-ce que ça le fait qu'à moi? Je serais curieux de le savoir. Niveau lance, on en était lance, on va avoir 4 points, on va avoir le quatrième. Bonjour, y a quelqu'un? Ah, allez, j'ai le point sur ces 4 là. On va se dire ça. Je vais désactiver la musique hein, si la bande son bug encore. Bah, je vous ai menti. Je vais désactiver la musique. Je suis désolé. Mais alors là, ça devient... Hop là. On la remettra plus tard. On la met vraiment tout bas. Voilà. Parce qu'à bugger comme ça, franchement, c'est dérangeant. Vraiment désolé pour vous. Donne-moi le point, toi. Toujours pas. Pas grave, pas de problème. On a le temps, Maud a le temps. On a largement ce qu'il faut pour tenir. Oh, il nous manque encore. Il nous manque encore un peu. Il y a 730. J'ai fait 2 éliminations. Ça coûte combien l'élimination? Ah oui, c'est 0,9 à chaque fois. On n'est pas prêt d'y arriver. Heureusement que c'est incassable ça, parce que sinon... Qu'est-ce qu'on aurait derrière le derrière? Bonjour. On se montre juste le bout de notre... Enfin, on ne montre juste le bout de notre nez. La musique, ça va, je l'entends encore. Je sais pas si vous l'entendez, mais moi je l'entends. Là, elle ne bug pas. On va se reposer un petit peu. On va se reposer là-dedans. Assistez-vous, ma petite Maud. Et puis on va ressortir. On peut se permettre de prendre... Normalement, 2 lances ici sans être en surcharge. Voilà. Tout pile poil.
Avec le briquet, ça va être de trop. Niveau poids, c'est stabilisé seulement. On mange un paquet de céréales entier. Et ici, on va récupérer des lances. Elles sont dans la remorque. Parce que j'ai pas été intelligent. Bêta bloquant, j'en ai là. Oh, mais elle est vide. Elle est vide. Allez, tu y reposes, ma petite mode. Vite, prends des lances là-dedans. 4. Voilà. Là, tu as de quoi faire. Là, là tu es prête. Bonjour. Allez, encore. Bonjour. Faut juste montrer le bout de son nez, hein, pas plus, ça sert à rien. Comme ça, on les prend par petits groupes à chaque fois. Les fumes, petite clope. Est-ce qu'elle range le briquet après? Sinon, c'est le bon truc à faire, ça. Non, elle le range pas. Ok. Allez, 11h20. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont vu. Non. Là, ils me voient pas. Je suis un ninja. En fait, je me demandais pourquoi j'XP vite en discrétion. C'est tout simplement parce que vu que je suis un cambrioleur, j'ai 150% d'apprentissage plus rapide. Voilà pourquoi. Maintenant qu'à la fin, on est en surcharge. Hop là, on peut pas ici. Pas grave. De toute façon, on va bientôt casser celle-là. Tu m'as vu, je t'ai vu, on s'est vu. On va les laisser comme ça pour l'instant. Ah, c'est bien ça, le petit point en lance. Ah, ça c'est moins bien ça. Hop là. Alors ça, je vous laisse ça ici. Allez. On peut le faire. Ils ne te font pas peur. Tu n'as pas peur. Ça, elle le montre qu'elle n'a pas peur. Et elle avait envie de fumer. Pourquoi elle a envie de fumer? Elle est partie. Je ne sais pas. Ça a fait du bien de tuer du zombie, je pense. C'est sa drogue. C'est devenu sa drogue. Là, quelques-uns. Ouais, mais je comptais pas tout ça, en fait. Un bêta bloquant, là, ça va te faire du bien. Regarde-moi ça, comment il déambule, comme des libellules. Oh là là, cette lance. On est essoufflé, on va pas rentrer de suite. Il n'y a pas de banc, je crois, ici. Pareil, on va se reposer à l'intérieur. Voilà, et en se reposant, on va lire ça qu'on n'avait pas lu. Les cônes, on va les... Non, on a à manger.
On va pas les reprendre. Ensuite, tu vas pouvoir lire ça. Bélante. Tu es très lente. Ça aussi. On va les poser par terre. À 13h30, on y retourne. On va pouvoir lire celui-ci ensuite. Vite. Hop là, le petit dernier. Oh, la mad zombie encore. Tout ça pour des bêta bloquants. Il y a intérêt d'y en avoir plein. Il n'y en a pas plein. Vivement qu'on atteigne les 10 000 zombies. 6720. À 10 000 zombies, il n'y aura plus de panique. Enfin. Allez hop, on y retourne. Et ça, on peut les laisser. Tiens, je te donne celui-ci. Toi, je te donne celui-ci avec celui-ci. Comme ça, vous aurez de la lecture à faire. Le côté droit est nettoyé. Maintenant, côté gauche. Et là, c'est là où il faut pas en attirer. Non. Il y en a qui sont revenus à droite. Quoi cette animation à moitié buggée là? Il y a de l'eau en bas. Là il y a du Z. Maman. Comment ils m'ont contourné eux? Allez, on va dehors. Venez les copains. Ça m'embête d'aller dehors à chaque fois parce que je risque à chaque fois que je rentre. Je trouve que c'est vachement risqué. S'il y en a qui sont juste derrière la porte. Ah, deux lances en peu de temps. Attendez-moi! Eh, c'était les seuls d'avant ou quoi là? Pourquoi il y a autant de monde? Ah, la lance, elle a pas fait long feu celle-là. On ressort discrètement. Des lances attachées dans le dos. Et ensuite, tu vas juste m'en prendre deux que tu vas mettre là. Cette allonge. Là, il y en a un qui me stresse à chaque fois. Allez. On va aller le chercher. En ninja. Bon, bah tant pis. Pas en ninja. Je voulais le faire en ninja. Pas grave. Et toi, qu'est-ce que tu fais derrière moi? Allez. Bonjour. Je viens vous tuer. Là par contre, prends un petit bêta. Ça serait bien, c'est le dernier du paquet.
C'est pas le pissenlit le dernier de la saison là, c'est le bêta bloquant, le dernier du paquet. Ah ah. Tu permets, permets-tu, permets-toi, sois patient, s'il te plaît. On a vu qu'il y avait un couteau de cuisine là, je le veux. Un couteau de cuisine ou est-ce un ouvre-lettre? Là, il y a des banquettes beaucoup plus loin. On va pas pouvoir se reposer ici pour l'instant. Là, il y a des chaises. Ouais, 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 on peut se reposer ici. Éponge, torchon, ouais quoi. Bonjour. Vous désirez, c'est trop tard. C'est fermé. On s'en va, j'ai dit. Ils sont têtus, hein. Les gens d'aujourd'hui, ils en font qu'à leur tête. Allez, repose-toi, ma petite Maude. Si on a besoin, il y a de l'eau ici. Et qui sait, peut-être une bouteille d'eau là-dedans. Là, on peut même se permettre de préparer notre lance. Juste après, notre petit repos. Ça, c'est cool. On va regarder. Désolé, quand je parle pas comme ça, c'est juste que je tire une latte sur ma vapoteuse. Donc, je peux pas parler en même temps, c'est compliqué. En 1860... Presque le septième point. Et autrement, c'est calme, niveau point. Allez hop, on y retourne. J'avais dit, prépare une autre lance ici. 3860, on était. Est-ce que ça compte là, pour eux? C'est censé compter, vu que je marche comme ça à côté d'eux, et qu'ils ne me voient pas. On va regarder discrétion. Ah oui, ça monte bien. En 1890. Après, quand on marche à côté de ceux qui nous ont déjà donné le point, ça ne donne plus le point. D'accord. Bah, tant mieux. Avant, on faisait ça comme ça, on restait accroupi comme ça, et puis on faisait que ça. Et ça nous donnait tous les points. Donc c'est mieux que ce soit corrigé, honnêtement. Bah, il y a une banquette juste là, de toute façon. J'avais même pas vu. T'enfermes, mode là. T'enfermes. Impeccable. La lance qui casse, par contre, ça, c'est pas impeccable. Parce que tu en as plus beaucoup. Tu en as plus que deux. On pourrait en refaire ici, mais je crois que j'ai pas ma scie. Ouais, c'est ça. Prends celle-là à deux mains. Le groupe diminue là, c'est bien déjà. On aura fait l'entrée. C'est dommage que j'ai pas une hatchette. C'est-à-dire que j'en ai plein chez moi. Mais je me suis dit, on vient juste pour un véhicule, je vais pas faire de nettoyage de môle. Donc j'en ai pas besoin. Mais au final, si. J'aurais dû me douter que l'envie allait me prendre de le faire. Allez.
L'essoufflement, on va se reposer et en bas là. Vu que tout ça c'est incassable, c'est protégé, on peut se permettre de vérifier comme ça. Hop là. Voilà. Et là on vérifie, hop là. En vitesse x4. Non, c'est vitesse x2. On fait la petite girouette, hop là, c'est bon. On y retourne, ça c'est cassé. Après on a clash. N'importe quoi, qu'est-ce que je fais moi? La hache, mets-la dans le dos. On aura nettoyé une bonne partie du moule là. Loin d'avoir tout nettoyé, mais on aura nettoyé une bonne partie. Un couteau de cuisine, je le veux bien. Ça suffit pour faire les spires. Excusez-moi monsieur, ouais, je veux juste ta clé et ton couteau. Allez. Super ça. L'arme super puissante qui ne coûte rien. Quoi, t'es tout seul? Non! 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 Ce qui veut dire l'essoufflement beaucoup plus rapide maintenant. Après, il y a un endroit là au bout du couloir où il y a peut-être des armes. Les mannequins, je vais en prendre chez moi. Pour mettre mes vêtements de rechange dessus. Vous venez d'où, vous? Ils étaient en train d'essayer des vêtements. Hop là, toi tu meurs. Est-ce qu'on pourrait pas récupérer la scie? Ça serait peut-être la bonne chose à faire là, récupérer la scie, se refaire des lances. Ouais, on va faire ça. On va manger ça en attendant. C'est calme. Maintenant ici, j'ai envie de venir y dormir, là, mettre mon lit à l'intérieur. C'est une grosse nuit de sommeil ronflé tellement fort. Je venais chercher... couteau, on va en reprendre un aussi au cas où. La scie, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Elle est aveugle ou quoi? Allez, on vérifie là-dedans. Bah on a 5 lances là-dedans. On les Martin. Voilà, ça va pas être pour maintenant la scie. Il va falloir qu'on dorme. Mais alors où dormir ici? J'ai ma petite pièce. J'ai mon petit endroit, mon petit palace privé. Je sais où dormir. Bon, oui, c'est sur une chaise, oui. Mais c'est calme. Si c'est par là, si je me souviens bien. Bonjour. Je viens en paix. Permettez que je boive un petit café. Eh, santé, hein.
On va juste reprendre une spire. Ça va sentir le chacal là dans ce couloir. La sueur plus le cadavre. Oh, il y en a encore plein. Il m'apporte un fusil à pompe, Bobby, là. Non, trop tôt. Pas confiance. C'est bon. Eh, me croque pas, toi. Ok, on va aller se reposer encore un petit peu. Et puis, il faut absolument qu'on arrive à avancer pour aller dormir là-bas. J'ai pas envie de redormir dans le MV. Même si c'est vraiment sécurisé comme là je viens de le faire. Là, il n'y a pas de problème. C'est calme. C'est tellement calme. Hop là. Tu as un autre café. Bois ton café. Bois ton café. Après, tu vas te fumer une petite clope. Ça, tu vas le remettre là après. Voilà. Et puis, on va même pouvoir remettre la musique maintenant. En espérant que ça bug plus. Tita, 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 tita. Alors là, faut sortir là et re-rentrer là-bas. Ouais, c'est ça. Viens voir. Viens voir, papa. Viens voir, tata. Une matraque. Non, j'en veux pas. On peut remplir, on peut tout remplir d'eau là, allons-y, c'est gratuit. Là, c'est dans ce petit bureau ici que je dors souvent. Quand je viens ici, quand je viens au mall. Je m'attendais pas à avoir une accueil aussi chaleureuse, hein. Un petit couteau de chasse, merci bien. Non, trop tôt. On commence à plus rien voir là-dedans. Rien. Je suis aveugle. Voilà, c'est mieux ici. Ok, tout le tour là, c'est calme. Ça, c'est cool. La lance cassée, tu me la jettes ici. Tu en reprends une à demain. On met une sur le dos. Ça, on peut ouvrir. Voilà, ça fait un petit peu de lumière. Quoi, on t'a entendu là-bas. Oh, il y a un petit groupe hein, aussi, là-bas. Eh, je suis là. Ah oui.
Allez, on les attire en cours un petit peu. Normalement, ils vont venir. Là, il y en a un. Je ne suis pas sûr. Je crois qu'il y en a deux. Et bah non. Et bah c'est tout. L'autre il tape encore sur le portail là-bas. On va le laisser faire. On va aller se mettre là-dedans nous. Une petite chaise de bureau. Un petit frigidaire là. Oh bah une pioche, eh, formidable ça. Une lampe torche. Enlève la pile. Voilà. Peinture bleue, non, ciseaux, agrafe. Hop là, ça on s'en fiche, on va récupérer ça. Et on va le mettre pile poil devant la porte. Voilà, et là normalement on va dormir tranquille. Là, on aurait même pu les démonter au petit matin. Là il y a un bureau ici, oh je connais par cœur, et la chaise elle est juste derrière. Allez dormons, croisons les doigts. Juste une porte et un casier à casser. Et ça 6 heures. Allez, 6 heures, la bonne heure. Hop, et tu me le remets juste là après. Alors souvent, il y en a un ou deux là qui attendent à côté de la porte. Comme lui, on aurait dormi plus longtemps, à mon avis, il serait venu. Ça, on va fermer. On va pas ouvrir. Là. Là, il va y avoir des PDZ. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Mais il y a un magasin là à droite, je ne sais plus ce que c'est. On va tenter d'aller voir discrètement. Arrête! Fais pas de bruit! Ouais, c'est tout ce qui est vaisselle et tout ça, mais je m'en fiche en fait là. C'est pas ça que je veux moi. De toute façon c'est à l'étage hein, ce que je recherche. Là c'est juste de la curiosité. Si on veut faire à manger, on vient chercher des plats ici. Bol et tout ça, ok, il y en a plein, plein, plein. Bonjour, bonjour, bonjour. Allez, venez là. Tous du même côté, hein. Personne dans mon dos. Sinon je me fâche. On va acheter l'autre lance qui est cassée parce qu'on est surchargé maintenant. Faire gaffe, ça peut venir d'en bas la porte cassée là. Il y a du monde surtout en plus juste à côté. Un bon petit paquet apparemment. On va aller voir, j'ai pas envie qu'ils me viennent dans le dos. Voilà. C'est ça que je voulais pas. C'est ça que je ne voulais pas.
La réserve de magasins de vêtements. Écharpe, tout ça, d'accord. Ici, oh, oh. Mais non, ce ne sont que des mannequins. Presque pas de zombies. Il y en a que deux, trois. Eh. Tu donneras ton couteau de cuisine que tu as dans l'épaule, s'il te plaît. Chut. Non, c'est un couteau à pain. Vite! J'aime pas ce couloir, il est trop étroit. Il y a du zombie derrière. Je ne sais pas combien. On va faire gaffe. Vite. Tournevis. Rien d'intéressant là. Allez, s'il te plaît, un katana, une arme très forte. Non mais des hatchets, ça serait bien là. Vraiment. Bonjour. Pam 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 pam. Alors là, non, c'est pas par là. On va continuer de l'autre côté pour arriver plus vite à l'infirmerie. Oh non, ma spire. Et tu m'as fait peur en plus, toi. On a plus que deux lances. Mais on a des planches. Pour en refaire au cas où. Là, il y a du monde dans les cabines d'essayage. Bonjour! Pourquoi tu me repères quand je fais ça? On va en profiter de se reposer un peu là. Allez. Vite. Équipe ça demain, s'il te plaît. Bonjour madame, ça vous va très très bien le pantalon. Ouais, c'est pas une blague, ça vous va à ravir. Alors toi. Ok. La pharmacie, elle est juste au-dessus, je crois. Là, il suffit juste de monter. Mais alors là, j'ai peur dans ces marches à chaque fois. Je me prépare à courir. La pharmacie, elle est un peu plus haute. Il n'y a plus beaucoup de monde. On a déjà fait un gros nettoyage là. La pharmacie, je crois que c'est le bâtiment blanc là. Ça, c'est des vêtements. Oui, bonjour, c'est pourquoi? Non, on n'a plus de jupe. Au revoir, on a tout vendu. Oh. Bouton, ok. Ok, 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 ok. Après, on cherchait du fil aussi, on peut prendre ça. Recoudre nos vêtements, bobine de fil. Aiguille. Ça pèse rien et puis c'est utile. Recoudre les vêtements.
Hop. Allez, on en a assez. On va pas devenir couturière quand même. Et là, je crois qu'il y a un petit peu de... Ouais, je crois que c'est là. Ouais, c'est ça, c'est là. Toujours accueilli par des zombies. Non. Eh. Ça vient aussi d'en haut. Ça va, facile, facile. Magazine, journal. Oh, il y a une clé ici. Attends, chips. Je sais plus où donner de la tête. Il y a trop de trucs. Non, je rigole. Clé. Il y a un zombie en bas aussi. Couteau de cuisine, on va le prendre. Chips, on va prendre. Ça aussi. Ça aussi, tu vas le manger de suite. Ok. Vitamine. Mais laissez-moi me faire mes courses, s'il vous plaît. Oh non. Oh non. Oh non. Mais pas ça, pas maintenant. Bonjour, eh, je suis là. Mais qu'est-ce qu'ils font? Il nous faut du bêta bloquant là. Plein de bêta. On avait vu. Des vitamines dans l'autre d'à côté aussi, voilà. Vitamine aussi, on va prendre. Lingette, on va prendre. Allez, anti-douleur, on va en prendre un peu aussi. Ça pèse pas bien lourd, ça. Allez, on prend. Histoire de dire on prend quoi, parce qu'honnêtement, je me sers très rarement des vitamines. Pas de bêta bloquant. Eh mais donnez-moi des bêta bloquants s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. J'entends. Gel coiffant. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec du gel coiffant? Ouais, ça devient frustrant là. Je suis déçu. Aucun bêta bloquant. Eh, enlève ton casque, tu m'aurais entendu parler, toi. Pourquoi il n'y a aucun bêta bloquant? Ils ne veulent pas? Un qui arrive là-haut, je crois. Peut-être dans l'arrière infirmerie, peut-être. Allez, au suivant. À ton tour. Dis-moi que t'avais la clé sur toi. Ah non. Des fois ça marche quand je fais ça.
Du moins que t'avais des bêta bloquants. Non plus, ça marche pas non plus ça. Eh bonjour, c'est pourquoi? Alors attends, petit douleur. Non. 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 Non plus, toujours non plus. Ah! Moi déjà, ah bah voilà, ça va nous aider un petit peu tout ça là. C'est tout, il n'y a que ça. Eh, j'en voulais encore 10 000. C'est vrai qu'il est plein. Voilà. Bandage, allez. Pas trop maintenant parce que je suis surchargé bientôt. Hein. Les bandages, on va pouvoir les stériliser aussi. Et pendant qu'on est là, on peut peut-être remplir les bouteilles. C'est pas mal. Ah, tapez, tapez les gars. Allez Miguel. Tu peux en mettre encore un. Bah voilà, c'est parfait ça. Non, ouvre. Open the door. Eh, on dirait moi, lui, là. Il n'y a plus de cheveux, il a de la barbe. Il a tout compris. Bon, bah voilà, on a ce qu'on était venu chercher. Et je sais plus où est-ce qu'il est, l'autre magasin. Magasin de bricolage, je sais plus où il est. Je crois qu'il est tout au bout là-bas. On n'est pas venu pour ça. Très bien, maintenant on a 5 plaquettes. On a de quoi voir venir un petit peu déjà. Maintenant, ce qui serait bien, c'est de se défouler sur les zombies. Un petit peu. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on sortirait pas l'arme? Non, c'est trop... C'est osé un peu, non? Ou que c'est osé. Un petit peu osé, là. Allez, meurs. Fermez. Voilà. Allez, repose-toi un petit peu. Ouais, c'est osé parce que si on tire, tout le mall va nous venir dessus. Mais que ce soit le rez-de-chaussée ou l'étage, et on risque de se faire submerger. Là, ce qu'il aurait fallu, c'est récupérer des planches. Mais si, il y a un resto, je crois, à côté. Là, il y a une table. Il y a des tables qu'on pourrait démonter. Mais j'ai pas pris la scie, je l'ai reposée. Marteau, marteau, marteau. Bah vas-y avec ton marteau. T'as pas besoin de scie pour ça. Parfait ça. Allez, fais-en une lance tout de suite. Hop, ici aussi, démonte. Personne peut venir de derrière, de toute façon c'est fermé. Ouais, c'est ça. Hop, deux lances. On a trois, c'est bien. On va être surchargé avec tout ça. Bandage, tu peux m'en mettre là-dedans. On va essayer de faire un petit peu de tri là. Ça, tu peux le boire. Niveau poids, tu prends du poids, c'est bien ça. Bien, 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 bien. On a beaucoup à manger. On a des munitions, pas tant que ça. Bon, les vitamines, c'est un peu 16. Je vais l'en poser un petit peu quand même. Je vais pas garder tout ça, ça sert à rien. On va les mettre ici. C'est le premier truc que j'ai envie de fouiller quand je rentre dans ce bâtiment. Donc on va en cacher ici. Enfin, en cacher.
On va les mettre là. Voilà, on en garde juste deux. Ça nous a libéré 5 kilos, mine de rien. Avec ça, on peut faire ça. Ça. Antibiotiques aussi. Ensuite, tu peux équiper ça dans le dos. Une à deux mains. La bouteille, tu la fous par terre. Le marteau, tu le mets derrière. T'en reprends une à deux mains parce que tu l'as enlevé. Voilà, et on va nettoyer un petit peu ça. J'aimerais juste atteindre le magasin de bricolage. Et pour moi, il est tout en haut, là-bas, à droite. Et espérer avoir de quoi me battre. Des hatchets ou des machettes. Voilà, donc on a déjà bien avancé dans cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à bombarder la barre des pouces bleus aussi. Vite, il arrive. Je vous dis à la prochaine. C'était Devil. Portez-vous bien. Ciao, ciao.